Et à contrario, on a décidé que la parole va être érigée au rang de vraie responsabilité et même des fois de nécessité. Et à part la prière, fait partie de ce sujet-là. Et bien, on peut se demander pour ça aujourd'hui. Et c'est la parole de Dieu. C'est toujours cette distinction entre ce qui est bien et ce qui est meilleur. Alors, Matthieu 19, quand un homme sort de l'homme, s'approche de Jésus et lui demande: Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui répond: Si tu veux avoir la vie éternelle, respecte tous les commandements. Et alors que Jésus fut délivré, tous les commandements que ce jeune homme devait respecter, il déclara: Tu vois, Seigneur, je respecte déjà tout, et c'est quelque chose que je veux faire en plus pour avoir la vie éternelle. Et Jésus lui dit: Si tu respectes ces choses, c'est bien, mais si tu veux faire mieux encore, si tu veux être parfait, vends tous tes biens et suis-moi. Et de même, l'apôtre Paul nous encourage aussi comme ça, lorsqu'il nous encourage à aspirer au don de l'Esprit, il nous dit: Si vous recherchez le don de l'Esprit, vous faites une bonne chose. Mais je veux vous montrer quelque chose encore plus excellent: rechercher l'amour de Dieu. Et l'objectif ce matin, et à travers cette série, va bien pour nous, va bien pour chacun d'entre nous, c'est que dans nos vies de prière, nous puissions passer de ce qui est bien à ce qui est excellent. Que nous puissions passer de ce qui est bon à ce qui est mieux encore, de ce qui est bon à ce qui est meilleur. Et je veux que nous soyons tellement excellents dans l'exercice de la prière que la multiplication des fruits pourra résulter grand témoignage pour nous dans nos vies. Et je crois que le Seigneur va nous donner ça aujourd'hui. Et donc, dans la parole de Dieu, on voit vraiment le rôle que le Saint-Esprit vient des choses que nous avons créées dans nous au moment de l'exercice de la prière. C'est ce dont j'ai envie de vous parler ce matin. C'est le rôle du Saint-Esprit dans l'exercice de la prière. Et pour ce faire, nous allons nous attacher à l'identité sur le fondement crucial de notre vie de prière dans un premier temps. J'aimerais que dans ce second temps, on puisse explorer vraiment la prière puissante d'un homme de foi qui est équipé par le Saint-Esprit. Ça vous va? Yes. Alors, on commence sur ce premier point, qui est que le Saint-Esprit est une aide et un partenaire de prière pour nous. J'aimerais que l'on puisse lire en introduction une portion de l'Écriture. Donc, Romains 8, à partir du verset 26, qui dit: De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse, en effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Et l'Esprit lui-même intercède dans le gémissement d'une manière inexprimable, et lui qui toutes les cœurs sait ce vers quoi pour l'Esprit. Car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. Et moi j'aime beaucoup ce passage, et au-delà des mots de cadre et de contexte, en fait, dans ce passage, l'apôtre Paul est en train d'enseigner aux Romains sur le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et en réalité, que ce passage de Romains 8 est un des passages les plus détaillés sur l'action du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et là, donc, au milieu de ce passage, l'apôtre Paul va ouvrir une vraie parenthèse et va focaliser son propos, cette fois-ci sur le rôle du Saint-Esprit dans la vie de prière du croyant. Et donc, du coup, il nous dit, il affirme de même que le Saint-Esprit joue un rôle beaucoup plus important qu'on ne le croit dans la vie du croyant. Et peut-être alors qu'on pouvait imaginer que le Saint-Esprit était cette présence qui peut-être nous voir autour de nous au moment de la fête de la prière. L'apôtre Paul nous dit qu'il est bien plus que cela. Il le présente comme un protagoniste qui vient participer activement à notre prière. Et donc, on comprend que dans la pensée de Dieu, le Saint-Esprit est un partenaire de prière. C'est comme ça que l'apôtre Paul le présente, et il dit même que le Saint-Esprit vient, il vient intercéder pour nous. Et même pour que on puisse plonger dans la pensée de Dieu comme ça pour comprendre comment il veut pouvoir articuler notre vie de prière avec ce partenaire qui a été créé à nos côtés. Et j'avoue que finalement, il faut comprendre par là que le travail de la prière, finalement, c'est un travail collaboratif entre le Saint-Esprit, le Christ et son partenaire, le Saint-Esprit, pour s'adresser à Dieu. Et je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que l'apôtre Paul présente ce partenariat comme un besoin. Et bien, il faut dans le exercice, il est très simple, il dit, en effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Et la parole de Dieu encore plus loin, elle dit, vous ne connaissez pas vos droits et vos devoirs lorsque vous vous approchez de Dieu. Et finalement, lorsqu'on réfléchit à ce rapport avec Dieu, nous dit à propos de la prière, on réalise qu'il y a effectivement une notion de droits et de devoirs. Si, par exemple, réclamer la télévision physique pour comprendre la lettre en moi,
question, peut-être, c'est par la parole du juge et de la jeune femme qui a tellement importuné pour avoir la paix, le juge a décidé de faire un droit à cette demande. Et à lui, il dit que Jésus a raconté cette parabole à ses disciples pour une raison bien particulière, Luc 18 au verset 1, pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment sans jamais se décourager. Jésus a raconté à ses disciples la parabole suivante. La vérité a des droits et des devoirs. Et donc, l'idée à penser de l'apôtre Paul derrière cette enseignement, c'est finalement de nous dire qu'il est contre-productif pour nous de s'approcher de Dieu dans la prière sur la conscience de nos droits et de nos devoirs. Alors, explique qu'il y a quelque chose dans la méconnaissance de nos droits et de nos devoirs qui nous limite sur la prière. Et c'est pour ça que nous avons besoin de notre partenaire, le Saint-Esprit. Et vous savez que le grand défi de la prière, il n'est pas forcément de prier plus longtemps et de prier plus efficacement. Et je crois que le Saint-Esprit aujourd'hui, si on lui laisse la place de le faire, de nous emmener à prier plus efficacement et plus rapidement. Et j'aime la notion de droit et de devoir. Je ne sais pas vous, mais quand on prend les devoirs, ça peut souvent penser à mes cours d'éducation civique ou collège. Et de l'avoir avec une phrase que les professeurs disaient tout le temps en tant que citoyen, vous avez des droits et des devoirs. Et bien sûr, à l'époque, son but était de nous enseigner finalement que notre citoyenneté était une composante essentielle de notre identité administrative. Et si on fait ça, nous sommes tous finalement citoyens du pays où on va avoir la nationalité. Mais ce n'est pas la seule citoyenneté que nous avons, parce que la Bible nous dit que si nous sommes morts, si nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, nous sommes morts et nous sommes ressuscités avec lui dans un autre royaume qui n'est pas notre monde. Et donc nous sommes citoyens du royaume de Dieu, et ça nous dit que nous avons des droits et des devoirs pour s'attacher à cette citoyenneté. Et donc en fait, ce que l'apôtre Paul est en train de dire en filigrane dans ce passage, c'est que vos prières sont inefficaces parce qu'il y a quelque chose de votre identité propre de vous-même que vous ne connaissez pas. Et comme vous ne le connaissez pas, vous ne pouvez pas le revendiquer. Parce que vous ne le revendiquez pas, ne se manifeste pas. Et c'est vraiment le message de l'apôtre Paul dans les Romains à ce moment-là. Et c'est comme ça qu'il explique le besoin que nous avons d'avoir un partenaire de prière, le Saint-Esprit qui est à notre secours pour pallier à nos faiblesses. Et donc, le peuple nous a dit ici à prendre conscience des droits et des devoirs que nous avons pour formuler des revendications efficaces en arrière. Et ça va à quoi ressemble les prières que l'on peut faire lorsque nous ne sommes pas conscients de ces droits et des devoirs, ou lorsque nous ne prions pas avec notre partenaire, notre disciple. On peut venir dans la prière et demander des choses que nous possédons déjà. On peut se prier de demander des choses auxquelles nous avons droit. Des fois même, on peut laisser l'ennemi voler si on n'a pas le droit de voler. Et dans les cas les plus extrêmes, il peut arriver même qu'on s'éloigne de Dieu, qu'on se refuse la prière parce que notre conscience nous interpelle sur une action, un acte, quelque chose que nous avons fait ou que nous n'avons pas fait, ou même sur un péché. Mais le péché ne doit jamais être un obstacle entre nous et Dieu au moment de la prière, au moment de sa présence. On ne se prie pas de la prière parce qu'on est pécheur, on a besoin de la prière parce qu'on est pécheur. Et le problème du péché a été écrit à la fois par le sacrifice de Jésus, parce qu'il nous a dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et donc finalement, c'est notre conscience qui l'accuse. Et le fait simplement d'avoir reconnu son Seigneur, je me reprends, mais tu as dit que le châtiment qui devait tomber sur moi est irrévocablement tombé sur Christ. Et donc, s'il y a une condamnation pour ceux qui sont en Christ, alors je dis aujourd'hui même la justice de Dieu en Christ. Et donc, j'ai le droit de me présenter devant toi sans peur, sans doute, sans culpabilité, sans complexe, et je saisis ma paix dans le nom de Jésus. Et comme nous avons fait cette prière, engageons-nous à 100% dans la prière, dans la présence de Dieu. Nous ne prions pas de sa présence à cause du péché. Et dernièrement, vous dites, essayez d'être un peu plus concret, de voir
les conséquences d'une vie de prière conduite par le Saint-Esprit. Et donc, il y a deux choses que le Saint-Esprit fait pour faire passer nos prières à d'autres niveaux et nous enseigner au royaume de Dieu. Quand le Saint-Esprit nous parle bien de prière, il vient nous apprendre à prier en utilisant la parole de Dieu. Je pense que lorsque nous prions et que nous demandons au Saint-Esprit son assistance, lorsque nous demandons de devenir intervenant dans notre situation, il y a une grande chance qu'il nous produise déjà des écritures. Et quelque part, c'est normal, c'est son rôle, la Bible dit qu'il est un enseignant. Et que à ce titre, sa mission, c'est de venir éclairer les écritures pour que nous puissions nous rendre compte de la richesse de l'héritage que nous avons en vie. Et en faisant cela, en éclairant les écritures de la sorte, il fait de la parole de Dieu une arme redoutable entre nos mains. Et donc, c'est la compréhension parfaite des écritures, la révélation des écritures qui nous permet de faire des prières efficaces et même qui nous donne l'avantage stratégique dans la prière. Parce que l'ennemi ne veut pas nous mentir à propos de ce que nous savons. L'ennemi ne veut nous mentir à propos de ce que nous ne savons pas. Et de même, les circonstances ne peuvent rien nous dérober. Si nous savons quelle est la source de notre joie, de notre guérison, de notre provision, mais surtout si nous savons que nous avons la capacité constamment d'aller puiser dans cette source pour manifester dans notre vie les promesses de Dieu par la prière. Et donc, c'est ce que le Saint-Esprit veut faire, il nous emmener à prendre conscience de ces choses. Et il y a encore plus crucial pour nous apprendre à prier en déclarant la parole de Dieu, que Dieu dit lui-même dans sa parole génère pour. Chapitre 1, à partir du verset 12, tu as bien vu le pied éternel, et bien je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit. De la façon dont je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et donc je ne sais pas si tu peux imaginer le Seigneur en train de scruter minutieusement la terre pour s'assurer que rien de ce qui est sorti de sa bouche n'est assez imaginé. Et c'est comme ça qu'on peut savoir qui il est, celui qui il est. Et qu'on peut avoir la confiance que, effectivement, lorsque nous nous approchons de lui, il nous répond. Parce que la parole de Dieu atteste le soin avec lequel il exécute sa parole. Et c'est aussi pour cette raison que si nous rentrons dans la présence de Dieu, par prière, avec un cahier des charges, des doléances et des listes de désirs qu'on souhaite voir exaucer, et il y a beaucoup de gens qui ont une sorte de frustré de cette expérience de cette prière. Parce que Dieu n'est pas tenu par nos désirs. Il n'est pas tenu de nous donner, de répondre à chacun de nos désirs, mais il est tenu par sa parole. Et donc, toute la clé pour nous est de réussir à lier nos désirs à sa parole. Et en faisant cela, si nous réussissons à lier nos désirs à sa parole, à lui présenter la parole par laquelle il est tenu, alors nous faisons des prières efficaces et nous rattrapons aussi. Et nous avons les choses à l'existence par la foi. Et donc, la deuxième chose que le Saint-Esprit fait lorsque nous faisons de lui notre partenaire dans la prière, en plus de venir nous apprendre à prier en déclarant la parole de Dieu, en utilisant la parole de Dieu, le Saint-Esprit vient orienter notre prière. Dans le verset qu'on vient de lire, Romains 8, 26, comme dit que l'Esprit a le verset pour nous, son peuple, en harmonie avec la volonté de Dieu. Et c'est merveilleux parce que nous ne sommes pas tout le temps nous-mêmes en harmonie avec la volonté de Dieu. Mais quelle base nous dire qu'il a été déjà à nos côtés, une aide qui est constamment alignée avec son cœur, et qui peut nous emmener à prier des prières qui sont plus ciblées selon sa volonté. Dans les textes, nous avons trouvé une démonstration de l'orientation de l'Esprit. En attendant, on retrouve l'apôtre Paul qui est en train de faire ses adieux dans les anciens de l'Église d'Éphèse. Et la Bible plante le décor en disant qu'il y a beaucoup de tristesse, c'est un moment très émouvant. Il y a beaucoup de sanglots, de larmes. Parce que l'apôtre Paul a avoué, lors de cette réunion, qu'il a reçu la conviction que c'était la dernière fois qu'il allait voir les anciens de l'Église. Et puis, en gros, il ajoute, acte 20, article 27, 22, et maintenant le voici en route pour Jérusalem. J'y vais parce que l'Esprit pousse irrésistiblement. Mais je n'ai aucune idée de ce qui m'y arrivera. Je sais seulement par le Saint-Esprit qu'on a averti depuis l'Empire
Je dois maintenant être emprisonné et à permettre beaucoup de souffrance. Je sais pas où, mais moi je pense qu'il a dû y avoir un avant, un après dans la vie de Pierre de l'apôtre Paul, après avoir reçu cette condamnation. Je pense qu'il y a une période de Pierre de l'enseignant, c'est pas vraiment où le contrat, les chaînes, la prison, tout ça. Mais si c'est ta volonté, fortifie-moi afin que j'obéisse. Et j'espère que cette prière vous rappelle celle que notre Seigneur Jésus a fait pour le jardin de Gethsémani. Luc 22, à partir du verset 42, au Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe toutefois que ta volonté soit faite et non la mienne. Et donc là, ce sont des prières qui sont efficaces, ce sont des prières qui sont orientées par l'Esprit. Et là, nous pouvons témoigner qu'elles sont efficaces parce que l'apôtre Paul est effectivement passé par le gène. Et alors que les communautés de l'apôtre Paul avec la vie, ses fils et ses filles spirituelles étaient vraiment dans la tristesse, dans la douleur et dans la confusion. À cause de ce que l'apôtre Paul est en train de subir, lui qui était dans la paix à cause de l'orientation du Saint-Esprit. Et notamment, c'est le cas des filles de l'église de Philippe. Donc, c'est une église qui était très triste et qui souffrait avec l'apôtre Paul, mais il va leur dire, une lettre dans laquelle il va leur dire, il est bien dans le verset 12. Je veux que vous sachiez, frère, que Dieu qui est arrivé a pris le temps de prier pour promettre de l'évangile. Je veux que l'on dit, il ajoute même, ma situation présente favorise son extension. Et je prie que nous sachions, c'est avec des prières de ce type. Des prières qui ne dépendent pas de nos émotions, qui ne dépendent pas de nos calculs, de notre interprétation des situations, mais des prières qui sont totalement orientées sur le Saint-Esprit parce que nous avons mis en contrôle absolu. Et j'aimerais qu'on puisse voir dans un deuxième point un exemple d'une prière de foi, d'une prière de guérison, de l'apôtre Pierre, un homme qui était totalement conduit par l'Esprit. Acte 3, partie du verset 2, nous dit que il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on passait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Donc il demanda le monde et ceux qui entraient dans le temple, à ceux qui entraient dans le temple. Ce temple entrait les gens qui allaient entrer et demanda le monde. Bien au même que les gens, fixa les yeux sur lui et dit regarde-nous. Ils les regardèrent continuellement, s'approuvant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit je n'ai ni argent ni or. Mais ce que bien je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever, au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Il y a plusieurs éléments que j'aimerais vous faire remarquer ici sur l'action du Saint-Esprit. La première chose est le langage et l'attitude de l'apôtre Pierre. Il y a le langage et l'attitude des hommes qui connaissent sa position vis-à-vis de la maladie, du besoin de ce temps de retour à ce moment-là. Il ressemble à quelqu'un qui n'est pas en train d'opérer de ses propres forces, mais qui opère avec la capacité du Saint-Esprit, qui opère avec les retours du Saint-Esprit. Il y a l'attitude d'une personne qui sait ce qu'on s'y a appris. Et j'espère que certains d'entre vous ont déjà vécu le challenge de devoir parler de Jésus à notre entourage, à notre collègue, à nos amis, à notre famille. Et bien des fois, les ennemis, on ne sait pas par quel bout prendre la chose, on ne sait pas qui approche, on ne sait pas les mots qu'on va utiliser. Et des fois même, on se remplit de courage et on rappelle le message de l'évangile dans le contexte de la religion. Et quelque part, c'est assez normal parce qu'on ne témoigne pas de Jésus avec la force et le courage. On témoigne de Jésus avec l'esprit de Dieu. C'est ce que Jésus enseignait à ses disciples lorsqu'il leur a dit, en préparant la Pentecôte, vous restez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous recevez une puissance qui descendra sur vous, et à ce moment-là, vous serez capable d'être les témoins jusqu'aux extrémités de la terre. À ce moment-là. Et nous avons vu quel immense succès de cette chaîne de nos apôtres. Et donc, on sent que l'apôtre Paul est revêtu de cette même assurance, de cette même puissance. Lorsqu'il s'adresse à l'homme boiteux, la Bible nous dit même qu'il a envoyé le fils dans les yeux et lui dit regarde-moi. Et la deuxième chose que je voudrais relever à propos de cette prière de guérison de l'apôtre Paul, c'est la conscience
travail de ses devoirs. Il dit au voisin, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il dit, je ne veux pas répondre à tes besoins matériels. Je n'ai pas reçu la capacité de t'apporter une réponse matérielle. Par contre, ce que je sais, c'est que j'ai reçu un mandat pour m'élever au-dessus, me prostrer au-dessus de la maladie. C'est tout ce que je peux faire, c'est tout ce que j'ai reçu et c'est ce que je te donne. Dans le nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et je trouve que la prière n'a pas besoin de beaucoup de mots, la prière a besoin des bons mots. Et à ce moment-là, Pierre, il manifeste non seulement le droit qu'il a sur la situation au-dessus de la maladie, le droit qu'il a de guérir ce homme de la maladie, mais il manifeste en même temps son droit, la foi. Et il a démontré sa foi par les actes, en prenant par la main droite le voiture et le relevant. Et je vous fais remarquer que la Bible ne parle pas de la guérison après que la mort de Pierre ait déclaré les foi de marche. La Bible dit que lorsqu'il a déclaré ces choses, il s'est ensuite dirigé vers le voiture, il a pris à relever en mettant sa foi d'action. Et c'est à ce moment-là que la Bible nous dit que, à cet instant, ce homme fut guéri. Sa prière fut exaucée. Et ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et ça, c'est la prière d'un homme qui est complètement orienté par le Saint-Esprit, qui connaît ses droits et ses devoirs. Et je prie que ce soit notre partage cette année. Je prie que nous apprenions à faire des prières de la sorte. Et pour cela, cherchons le Saint-Esprit. Et la recherche du Saint-Esprit n'est pas une recherche extérieure, c'est une recherche intérieure. La Bible dit qu'il existe Seigneur en nous comme un cadavre. Il atteste et sa mission, c'est de nous conduire dans la vérité. Et la seule chose qui nous reste à faire maintenant pour profiter de ce cadeau, c'est de maintenir à prendre plus de place dans notre vie. C'est apprendre à le connaître, apprendre à connaître ce qu'il désire et le laisser agir. Apprenons à être plus à l'écoute de ce qu'il veut nous dire. Plus nous lui laissons de la place, plus il en prend, plus il en prend, et plus nous prions sur lui. Et de même, nous ne nous contentons pas de l'information divine. Nous ne nous contentons pas de ce que nous recevons comme information à propos de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de transformation sans compréhension. Recherchons la compréhension parfaite des Écritures avec la Saint-Esprit. Et de même, lorsque nous avons la compréhension, ne nous limitons pas à celle-ci. Appliquons ce que nous avons compris. Et nos prières pour vraiment des fruits à nous. Donc, ma prière pour nous ce matin, c'est que nous soyons des initiateurs de la prière. C'est que nous puissions bouger les montagnes pour nous vivre de manière miraculeuse par les prières civiles. C'est que ces prières ne soient plus seulement des témoignages qu'on regarde à distance, en espace du trône de Céleste pour les autres, mais que ces prières deviennent notre habitude. Qu'elle devienne quelque chose que nous manifestons en tant que Dieu, qu'elle devienne un quotidien pour nous. Parce que le Seigneur peut opérer en chacun de nous par la capacité du Saint-Esprit. Et donc, attachons-nous au Saint-Esprit. Nous avons besoin de plus de Saint-Esprit, de la paix. Et toutes sortes de prières, tout ce que nous essayons de faire sans lui ne fonctionnera pas. Thank you.
que je sois véritablement.